Salut tout le monde, c'est Maxime Olivier. Donc aujourd'hui, parce que dans le fond, avant de commencer la vidéo, je dois dire que cette vidéo-là, je la retourne. Parce que, quel imbécile que je suis, j'ai supprimé la première vidéo que j'avais tournée. Ça fait, je sais pas, moi, 2 mois j'avais tourné ça d'avance. Puis, elle est disparue. Je sais plus elle est où. Je pense qu'elle était sur mon ancien disque dur qui est scrap maintenant. J'en ai aucune idée. Fait que aujourd'hui, je regarde d'autres vidéos malaisantes. Je vais en prendre sur la chaîne YouTube de Malaise TV. Donc, on va regarder ça aujourd'hui ensemble, les pires moments malaisants. Puis en plus, on va essayer de pas être mal à l'aise. C'est parti. Roumaine, R-O-U-M-I-N-E. Routière, R-O-U-T-I-E-R-E. Restante, R-E-S-T-A-N-T-E. Rabougri, R-A-B-O-U-G-R-I. Rentable, R-E-N-T-A-B-L-E. Elle s'en réveille, hein, le petit coup de coude d'Odette. Hein, Liette? Non, je n'ai même pas à peur. Pourtant, il était assez. Il parlait du coup de coude ou du pet? Hein, on ne le sait pas. Et elle a dit qu'elle savait parler français avant son interview. Ça te l'endroit aussi. Hé hey là, Arnos, pourquoi voulez-vous devenir un parlementaire en Union européenne? Mmh. Oui. Pourquoi? M'excusez-moi. Pourquoi voulez-vous devenir un parlementaire? Moi? L'Union, oui. L'Union européenne. Pourquoi? Je veux voir. Je pense que je veux. Des durs pour la démocratie et je veux. Attends, le plus drôle c'est que. C'est quand on voit la madame qui est genre. Continue. Puis, ce qui est drôle, c'est qu'on voit le temps passer en arrière. Ils ont 4 minutes pour poser le plus de questions possible, puis ils vont passer 4 minutes sur cette question-là pour moi. Mais excusez-moi, c'est. Je veux voir le. Quelque chose. Ça, c'était mot primaire. C'était mot primaire en anglais. J'ai genre. C'est ça. Fait que, on vous donne un défi. Si vous avez compris ce qu'elle a dit, dites-moi en commentaire. Moi, personnellement, j'ai juste compris pour voir la démocratie. En tout cas, ok, next. Célèbre-t-on le 11 novembre? La fête de la musique! L'armistice! J'avais raison. Ah, j'ai raison! C'est bon, ça me saoule en plus, c'est la honte. Je sais très bien qu'il y a des fêtes dans l'année, voilà, les 11 juillet, les 14 novembre, les 4 novembre, mais je sais jamais à quoi ça correspond en fait. Combien de lettres se compose l'alphabet? Vous avez juste à les compter. 15, 14, 13, 12. Vas-y, t'arrêtes. 10. K, L, M, N, O, P, Q, U, Q. 30, 39, 39. Il y a 26 lettres dans l'alphabet. 26. Oui. Oh mon Dieu, mais. La France entière va se moquer de nous, là, en fait. Mais voyons donc. OK, genre, le 11 novembre, là. Mais le nombre de lettres dans l'alphabet. Hey, vous avez genre au-dessus de 20 ans, puis vous savez pas ça. Vous habitez où? Vous avez été à l'école où? Et la situation va rester d'ailleurs assez compliquée tout au long de la semaine prochaine. L'éphéméride, d'ailleurs, bonjour. Pour cette journée du... Commandant Renoir. Mais qu'est-ce qui se passe, hein? On m'a signalé un mort. Un mort? Oui, le soleil. Il est mort! Il est mort, le soleil! Eh ben, le soleil est mort. Je le créerai dans mon groupe de philo. Ensuite, continuons. Dis-nous, le public se lève! On prend une grande inspiration. Vous bloquez. Voilà!
Voilà! Ah non, mais je voyais genre, que le public se lève! Je fais juste penser au public, genre. Ça me semble. Ok. Prochaine vidéo. Attendez là, vous appelez ça de la magie, vous? Oui. Dis donc, oui. Vous mettez trois t-shirts, vous enlevez les uns après les autres, vous appelez ça de la magie. Même moi, la magie, je suis magicienne là, tout de suite là, je fais ça moi. Non mais c'est quoi cette histoire là? Non mais attendez là, vous êtes sûr, l'Afrique a un incroyable talent. Oui. Alors, voilà le talent là-dedans là. Vous faites où, pourquoi? Vous avez aimé? Vous avez aimé? Ah, voilà, d'accord. Donc vous voyez, même le public n'a pas aimé. Donc, bon, moi je fais de la magie, c'est au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Ah, oh, ils font de la magie. Mais moi aussi je fais de la magie à tous les jours. Faire de la télévision, c'est dur, c'est lourd. Pour la première fois, oui, c'est un petit peu, mais c'est... Ça... Donc en prenant l'habitude, je pense que ça passe mieux. Hein? Bon, d'accord. Bon, voilà. Écoute, reviens-nous présenter avec nous quand le temps te le permettra. Okay. Alors maintenant, tu as l'occasion de dire bonjour à qui te plaît. Merci. Bonjour et... À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Il la regarde, là. Bonjour et... Il la regarde, là, les gens. Vas-tu continuer? J'ai plus rien à dire. Se reposer et ne pas aller au lycée. Ah, ah, ah. Hey, maman, check, check. Oh, hey, maman, wow. Check, et check. Au bac, pour le bac. Et oui. Ah, le bac d'eau chaude, le bac d'eau froide. Ouais, ça, on a tout compris. C'est bon, ok, vous pouvez rester. Vous restez. Et on va avec la porte. Fermé! Hein? Et il ira plus haut. Ah, si. Non, non, on n'a rien dit. Non, il est. Il est parti! Oui. Il est plus là! Et il va. Vous pensez combien? C'est qui fait ça à quelqu'un qui est dans, genre, sur une chaise d'hôpital? C'est peut-être une blague, genre la personne n'avait pas de l'air tant, genre, blessée. Genre qui? Tu vas rester! Nanana! Hein? Excusez-moi, bonjour, en fait on m'a envoyé ici pour faire boîte de nuit. Ouais alors, ouais alors, ouais alors, allez la danser les enfants là, vous attendez quoi? Je comprends les jeunes de pas danser. Puis de la prof, vous allez regarder de cette manière-là. Il y a quelqu'un qui arrive dans ta classe et dit « Excusez-moi! Wesh alors! Wesh alors! » Je pense que j'ai assez regardé de vidéos malaisantes. Je suis malaisé au plus haut point. Mon défi, il est tombé à l'eau. Je me demande si vous avez été malaisé. Si oui, dites-moi là en commentaire. Puis dites-moi l'extrait de vidéo, la vidéo qui était la plus malaisante pour vous. Moi, je pense que c'est le tidlidou-didou-didou-didou, là. Non, c'est le pet. C'est le pet. Routière, R-O-U-T-I-E-R-E. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un thumbs up. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se dit à très très bientôt. Bye tout le monde!